Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Horizon Zero Dawn. Je sais que vous n'avez pas eu d'épisode hier samedi, je suis bien triste pour vous mais vous avez quand même eu 3 vidéos dont une rediffusion sur Zelda les gars et... c'est pas rien, et en plus, une rediffusion de 2h44, d'accord? Donc vous allez me piper, s'il vous plaît. Allez, on continue notre aventure, on avait réussi à monter sur un galopeur pour pouvoir, évidemment, galoper, vous l'aurez compris. Je peux donc dresser des dino-robots. On va les appeler les dino-robots, voilà. Ils les appellent les machines, mais ils sont pas capables de leur donner un putain de prénom. Bah moi, je les appelle les dino-robots. On continue, j'ai cette fois-ci ma monture, c'est quand même incroyable. On avait une petite quête secondaire à faire, on va la faire quand même pour essayer de sortir de là une sorotte, voilà, qui était dans le danger, son frère est parti au Bangladesh, là il s'est fait arracher. Donc on va faire la quête secondaire et après on repart sur la quête principale. Étant donné que vous n'avez pas eu de vidéo samedi, je vais être extrêmement gentil avec vous et je vais vous proposer une vidéo de 1 heure, rien que pour vous les gars. Vous avez intérêt à me régaler avec des likes, sinon ça va fort me fâcher. C'est ma monture en face là? Attendez. Yes, c'est ma monture. Ah oui, d'accord. Alors toi, tu rentres dans l'autre, on a strictement rien à foutre. On va baisser un petit peu le son, ne bougez pas. Alors quand je dis on va baisser le son, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Parce que là, je viens de perdre 2 oreilles. Sachant que j'en ai que 2, c'est quand même assez relou. On est parti. Il y a un problème. Pourquoi t'es aussi lent? Mais cours un peu. Mec! Il veut pas courir? Oh là! Mais mec, cours! Mais... putain, t'es sérieux ou quoi? Ah oui, d'accord. Ah ouais, faut tapoter. Ah ouais, vas-y. Allez, vas-y, on est parti. Bon! Direction donc la quête secondaire, qui était pas du tout par là. Elle était où? Elle était où, ma quête secondaire, là? Annexe, les oubliés. Il me semble que c'était ça, hein. Rejoindre le campement, voilà. Il me semble que c'était ça, les amis. Donc, direction la quête secondaire qui est... qui est par où? Qui est par où? Qui est par là? C'est les oubliés, ça? Waouh! C'est pas à côté! On va prendre un raccourci. Je connais bien. On va pas prendre de raccourci, on va pas tester. Est-ce que je peux cueillir en étant ado de galopeur? Tiens, ça pourrait être intéressant. C'est peut-être quelque chose à débloquer aussi, ma foi. Donc on va y aller. Alors, certains m'ont dit que j'avais loupé une grotte et tout. Les gars, attendez. J'essaye pas de tracer le jeu, hein. Vraiment, c'est que je ne l'ai pas vu, tout simplement. Donc ne vous énervez pas, ça peut arriver. Je reviendrai dessus si j'y pense. Eh, hey, je compte sur vous, vous allez me faire penser de toute façon. Je vous connais, vous oubliez jamais rien. Oh putain, cours! Tu te raccroches à la vie! T'as le trou de balle qui fait du bruit! C'est bon. Ok, ils étaient quand même juste derrière. On va s'arrêter un petit peu ici. Pourquoi? Hop, stop, stop, stop. Voilà, casse-toi, tu m'as saoulé. Parce qu'il faut que je ramasse. Je l'accueille. Voilà, je l'accueille. Il faut que je cueille, les gars. Il faut que je ramasse beaucoup de bois et tout. Parce que mine de rien, avec tout ce qui s'est passé, j'ai plus grand chose. Ah oui, on vient quand même de battre quelque chose d'assez d'assez badass. Donc c'est parti. On va y aller calmement. Il y a quoi là-dessus? Il n'y a rien. Ok, 1, 2... ah, ils sont 3. Ils sont 3. T'as la distance d'affichage. Les gars, quand je vais sur ce jeu, sachant que je fais Zelda en parallèle en live, hein, vous l'aurez compris. Eh ben putain, c'est tellement fou. C'est tellement dingue. Ah, je vous ai vu. Oh, c'est pas mal tout ça. Ok, on prend. C'est des racines de d'Oya électrique. De la canne pour faire. Je saurais quoi en faire. C'est pas mal, il y a pas mal de choses là. Bon, alors j'ai pas besoin de ma monture à l'instant. Donc on va s'équiper. C'est quoi ça? C'est une fiole, je pense, pour booster la vitesse, non? Peut-être, ou booster les réflexes. Enfin, pour faire augmenter quelque chose. Faut que j'aille direct par là. C'est des chemins très douteux quand même là que vous me faites prendre. C'est des chemins très douteux. Ok. Là on peut pas ramasser malheureusement. On continue. Il n'y a pas de soin, il n'y a pas grand chose, je sais pas ce qui m'attend, ça va être terrible encore. Mais j'y crois les gars, j'ai la pêche. On y est presque ou pas? Yes, on y est presque. Oh putain, tu sens qu'il va... Tu sens que c'est la fin? Ok. J'aimerais tuer pour une fois... voilà, juste un sanglier histoire de voir un petit peu ce que ça peut m'apporter. Et ça peut m'apporter de la viande. D'accord, ressources, j'en ai déjà 22 sur 30. Viande et viande grasse, sans doute pour crafter quelque chose à l'avenir. J'avais besoin de faire quelque chose, bougez pas. On va se fabriquer des flèches de feu, on s'en met au max. Hop, flèches aussi, et malheureusement des trucs électriques, on ne peut pas. Je crois que j'en ai déjà 4 sur 4. On peut continuer, les gars. Je sais vraiment pas ce qui m'attend. J'espère pas grand chose. Oh putain. Ok. Alors lui, son point faible est dans son œil.
Ça dégage. Occupons-nous de ces veilleurs. Ok. On maintient. Oh putain, j'ai eu tellement chaud. Ok, son œil est aussi son point faible. Enfin, son œil, son cerveau, je suppose. Donc, on va essayer de l'arracher rapidement. Oh putain, salopard. C'est bon. Plus de peur que de mal. Il a pas pu alerter les autres. Il y a du stuff. Oh, on a un petit campement, c'est du mignon. Du sang, mais pas de cadavre. Ah, mais il faut que je tire ça au clair. Du sang, mais pas de cadavre. C'est qu'il a sûrement dû survivre. Alors, est-ce qu'il faut suivre les traces de sang? Ah non, il a bien saigné. Alors, soit il s'est assis sur le banc et clairement, les gars, je vous le dis, hein, c'est une diarrhée qui s'est mal passée. Parce que bon, il a chié sur le banc, littéralement. Soit, faut que j'arrive à trouver le sang. Comment on peut faire? Parce que dans l'herbe comme ça... Ah, examinez, bougez pas. Je peux examiner quelque chose. Ah, c'est bon. Cette trace de sang s'éloigne du campement. D'accord. J'ai juste un léger souci, les gars. Si je fais ça, ça fonctionne? Yes, ça fonctionne. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon, il est parti par là-haut. Moi, je pense qu'il allait dans une grotte parce qu'il y a un gros truc pas très gentil qui était prêt à l'arracher. Ah, quoique, peut-être un humain. Quelqu'un aurait attaqué Brom avec? D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Ok. Donc il est passé par ici. Il a réussi quand même à monter en équilibre alors qu'il a perdu à peu près 8 litres de sang. Ah, on voit toujours des petites taches de sang par terre, c'est sympa ça. Putain, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Les gars, c'est une claque. Hein. Far Cry Primal était quand même une petite claque, mais là, on a une... Là, un saut. Belle claque, hein. Ok. Hop, faut que j'arrête de sauter à chaque fois pour vouloir examiner. Je suis désolé, on les gars, c'est Zelda. Le sang au campement. C'est tout le contraire. Le sang s'arrête là. Oh. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. C'est stressant, ça. Ok. Bah on y va, écoutez. On sait pas trop pour l'instant s'il s'est fait poursuivre ou non. Ça mène où, ça? Ça mène encore plus loin? Oh, j'ai peur. Ah non, c'est bon, on fait marche arrière quand même. Mais où il a bien pu aller? J'aimerais bien le sauver quand même. Il me sera peut-être redevable et va m'offrir un stuff légendaire. Ok, t'es passé par ici. Je vais t'avoir, cowboy. Oh, regardez comme c'est beau. Avec le coucher du soleil. Magnifique! Ok. Peut-être par ici. On va ramasser tout ça, évidemment. Je garde ça pour plus tard. Bien joué à toi. Oh putain. Ok. J'ai cru qu'elle m'avait entendu. Ok. On va examiner leurs points faibles, les deux c'est la tête. Bon. Ça dégage. Ils sont assez faciles à arracher, hein, c'est pas le problème. Ah, il a entendu quelque chose, ils ont... Ah non, non. Vas-y, viens frérot. Ok, impeccable, il y a du verre sur lui. Qu'est-ce que ça peut être? Une lentille de veilleur. C'est pas mal, ça. Si c'est vert, c'est que ça va pouvoir permettre de crafter quelque chose d'assez intéressant, je pense, à l'avenir. On peut continuer, mais il est parti où, comme ça? Frérot, alors? Mais c'est peut-être pas son sang, d'ailleurs, au passage. C'est peut-être le sang de quelqu'un d'autre. Peut-être le sang d'un méchant. Ah, regardez. On est revenu à la caisse départ. Impressionnant. Yo, frérot. Attends, il est parti si loin, là? C'est bizarre. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier? Si Brom a fait ça, c'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? D'accord. On va afficher la piste. On est reparti, ok, je cours. Je cours toujours. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ces charognards? Oh putain. Ok, bougez pas. Tuez les charbonnières.
En gros, il est en mode 6 sauteuse. Ok. Ok, et on va repasser en mode Classico del Madrido. Wow. Sois toi. Oh putain, ils sont deux. Wow. Hop, dans ta gueule, ma petite pote. Wow. J'ai peur. Oh, je l'ai éclaté. Il y en a combien? Ok. Je vais quand même m'en sortir. Ok, ok. Oh. Je suis pas sûr, moi. Putain, faut que j'arrête de me gourer de touche. Je suis pas sûr que je puisse m'en sortir. Ok, réceptacle métallique, qu'est-ce que c'est, je crois. Ok. Hop, allez. Allez, Rodrigo. Hop, Rodriguez. Allez. J'adore. Hop, Rodriguez. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Hop. Oh putain, mais c'est chaud. Non. Oh, salopard. Allez, dégage. Waouh. C'est méga tendax, ça, hein. Ok, on ramasse tout ça. Niveau 8 atteint. Il faut que je me mette bricoleur, hein, si je voulais faire quelque chose. Santé mal, rayeur, 10, on dirait. C'est bon, ça. Celui que je piste. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance. Ok. On va afficher la piste. Alors, les gars, on va sup un petit peu, parce que là, c'est terrible. Donc, bricolage, c'est dans quoi? Piratage, ok. Piratage. Cueilleuse. Ils m'ont dit qu'il me fallait bricoleuse. Tout ça, faut que j'aille jusqu'ici. Les bobines d'armes et les tissus de tenue peuvent être retirés et réutilisés. Ah d'accord, sinon on ne peut pas. RT si c'est pas sympa. D'accord. Alors pour être bricoleur, va falloir se lever tôt les mecs. Il va me falloir combien de points en tout? J'ai 3 points. Ouais, bon, c'est pas... J'aimerais bien ça. Ramasse davantage de ressources naturelles durant la récolte. Je vais prendre ça, vous savez quoi? Parce que j'ai envie. Recyclage, possibilité de récupérer des ressources supplémentaires sur les machines abattues. Et ben ça fait 2. Hop, je prends ça aussi. Comme ça, on va cueillir 2 fois plus d'éléments. C'est quand même cool. Ok, on continue notre quête, les gars. Attends, petit renard, fais pas le con. Fais pas le con, frérot. Faut que je pense à mettre un petit peu plus de pièges, peut-être, aussi. C'est peut-être pas une quête de mon niveau, aussi, hein, les gars. Attendez, on a pris la première quête secondaire qui nous venait, mais c'est peut-être pas une quête de mon level, hein. Ok, je prends. C'est bon, ça. C'est quoi? Putain, ils m'ont fait tellement peur. Attends, c'est tout en haut, là? J'y vais. Cette réserve a été pillée. D'accord. Examiner la cage de ravitaillement. D'accord, donc faut que j'aille là-haut maintenant. Très bien. Ok, bah on y va de ce pas, les gars. Ça sert à rien de tuer chaque guetteur, hein. Je crois que ça s'appelle les... Oh, un dindon. Allez, ferme-la. Qu'est-ce qu'il va me donner? Incroyable! De la viande! C'est tellement plus facile de tuer un dindon qu'un sanglier. Ah, mine de rien, les gars, un sanglier, c'est quand même méga fat, en vrai, hein. Attends. Là, c'est de là où on vient. Ok. Mais j'y suis déjà allé là-haut, mais je pouvais pas examiner, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. D'accord, là, je peux. Rome a été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui? Ok. Suivre les traces encore et toujours. C'est bon. Est-ce que je prends mon cheval? Non, c'est pas.
Ah, c'est regardez. Ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi l'avoir pillé pour tout jeter ensuite? Trop de questions là, tu poses trop de questions à l'œil. Viens, tu sais quoi, on va au bout, ma sœur. Et on va très vite savoir. Mais attendez, je retourne où là? C'est terrible. J'ai l'impression de tourner en boucle. Peut-être qu'on va découvrir une petite grotte, ça peut être cool ça. Ça peut être méga cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, on y va de ce pas. Encore, toujours plus haut. Je vais le faire. Je vais me tuer. T'es pas je con. Me tuerai avant de T'es lui faire pas le con du parce mal. Que. Je peux même pas. Ok, un petit slow motion comme ça qui régale. Écoutez, moi si je peux vous régaler, y'a pas de soucis. C'est qui veut se tuer? T'es pas le con, Rouya. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non! Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? D'accord, ressaisis-toi. Approche, ça m'évitera d'avoir à crier. Ah, d'accord. Pour éviter justement qu'il saute. Je sais que c'est difficile, mais je peux t'aider. On va écouter le cœur, qui a ses raisons que ses raisons ignorent, nous ne cesserons de le Toutes répéter. Toutes ces voix qui te parlent sans arrêt, ça doit être épuisant. Je te promets que la mienne sera douce et apaisante. Une voix douce? Comme celle de Lara? Oh, ça fait si longtemps. Des années. Ouais. Ouais, je vais t'écouter. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés. Des âmes maudites par la toute mère. Leur voix me laisse jamais en paix. Elles me disent de faire des choses. De faire du mal si je retourne dans la tribu. Elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom, tu es vivant. Béni soit la toute mère. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non! Non, 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 non! Non, 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 ma sœur! Je peux pas te protéger! Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire? Oui, comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je veux pas te faire de mal, mais les oublier, leur murmure, ma tête est pleine de leurs cris. Il doit s'éloigner des autres Nora, il a besoin de toi. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu. Mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la toute mer. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la toute mer t'accompagne. Et puisse les oublier. Te laisser en paix. Quête annexe terminée, les oublier, ramener l'XP les gars là, parce que putain, pour monter niveau dans le jeu, XP 1000, c'est tout ? Boîte de récompense remarquable ! Ah, 1000, ça fait à peu près une demi-barre sur 4, hein, dans la barre d'XP tout en haut à droite. Très bien, on peut reprendre, je pense, notre quête principale. Qu'en pensez-vous, les amis? Donc, c'est parti, principale. Eh, on a Gratta aussi, la fêlée. Faut que je sois niveau 12. Oh, pour faire celle-ci. Ok, vous savez quoi? On va faire Gratta, la fêlée. On va faire Gratta, la fêlée. Mais avant cela, j'aimerais... Je peux faire des modifications, je peux jeter aussi, très bien. Boîte à trésors, ok, celle-là, elle a l'air cool. C'est ça, une boîte remarquable pour toi, gros? Ok, un peu déçu.
Une potion anti-feu, un peu déçu, très bien. Bon, c'est comme un RPG, faut vraiment prendre son temps, les gars. Faut kiffer la vie, hein. Faut apprécier. Chose qu'on va faire. Artisanat. Est-ce que je peux en faire, tiens? Ça me demande de la viande, bah justement, voilà. Voilà une bonne chose. Très bien. On va faire la quête. Gratte à la fêlée, les gars. Qui est à 300 mètres. On sait crafter une petite popo. Oula. Ok. On y va en cheval, hein. Parce que le cheval, c'est génial, hein. On va y aller en cheval calmement. J'ai peut-être pas utilisé la meilleure popo. Ah, très bien, je me suis enculé comme jamais. Un véritable plaisir. On y va en cheval, les mecs. Frérot, comment je t'appelle? Quoi? Je peux plus l'appeler? Il est où? Il a disparu? Site de galopeur. Bah, vous savez quoi? On va y aller. Je vais essayer d'en capturer un vite fait. D'accord, mon cheval n'est plus génial, sur le coup. Mon cheval m'a totalement oublié. Hop, tiens, je prends et je me soigne. Pourquoi ça fait un bruit de cheval quand j'essaye de me soigner? Le mec qui bouffe de l'herbe, ça fait un bruit de cheval. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ok, site de galopeur. Ça, c'est pas un galopeur. Ça, les gars, ils sont là, les galopeurs. Attends, toi, tu sais quoi? Bon, raconte pas ta vie. Moi, c'est le galopeur qui m'intéresse. Ok. Ils sont en mode suspens. Ils sont en mode suspens. Ah oui, d'accord, je les avais pas vus juste derrière. Putain, c'est terrible. Ils sont en mode attention. Il peut se passer quelque chose. Il va voir ce qui se passe. Ils vont voir ce qui se passe. Je vais en profiter pour choper un galopeur derrière. Attendez, bougez pas. Je t'ai vu. Putain, c'est pas évident, hein. C'est réellement pas évident, hein. Parce qu'il y a des guetteurs, en fait. C'est eux les plus chiants. Ok. On va afficher la piste. Ok, il va faire demi-tour. Impeccable. Je vais prendre celui-ci, hein. Non. Pourquoi il passe en mode jaune, lui? Ok, je vais prendre celui-ci, finalement. On va rester sur celui-ci. Des fois, on dirait qu'il peut se passer des trucs. C'est hallucinant. Ok. J'y suis. On va pouvoir le pirater. Et c'est parti. Allez! On se cassos, les gars. Vous m'avez pas vu. Il s'est rien passé. Merde, non! Reviens! Oh putain, c'est bon. Ok, comment il s'appelle, les gars? Dans une série sur les chevaux, là. Sur les chevaux, pardon. Ah, putain. Les gars, je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux en termes de demoiselles à me regarder. Dites-moi comment ça s'appelle, Au Galop. Non, ça existe une série qui s'appelle Au Galop. Comment il s'appelle le cheval dans Au Galop? Dites-moi, je crois que c'est Au Galop, hein, le nom de la série. Ou dans, je sais pas, là, Hannah Montana, mais je sais pas quoi, qui monte des chevaux, là, à chaque fois sur DS. Dites-moi comment il s'appelle le cheval, on va l'appeler comme ça. Allez, vous savez quoi, en commentaire, donnez un nom de cheval. Attends, calme-toi. Par contre, je sais pas comment on peut faire pour que tu t'arrêtes. Attends, c'est pas ça. Ok, c'est rond. C'est rond. C'était pas évident, on voulait pas s'arrêter. Hop. Parce que ça, c'est pas négligeable. Donc, on est parti. Donnez-moi, voilà, de bonnes idées pour un nom de cheval. Et puis comme ça, on le donnera au frérot. Ok, c'est par ici. C'est... Hop. Très bien, c'est rien. Hop, c'est par ici. On va s'arrêter, s'il te plaît. Je descends. Ça se conduit... Alors, faut savoir que c'est très bizarre. Parce que ça se conduit comme une voiture. Ça se conduit comme une voiture. C'est-à-dire que... Faut freiner avec rond, accélérer avec roi. T'y crois, ça? On est sur un putain de cheval mécanique, hein, les gars. Hein. Mais c'est comme une putain de voiture. Ok, on peut y aller. Je sais pas ce qui m'attend, là. C'est une quête de niveau 4. Donc, ça devrait le faire. Aucun souci, je pense. Parce que s'il faut être niveau 12 pour avancer, je vois pas comment on peut être niveau 12... assez facilement. Peut-être en allant vers la quête, j'aurai d'autres quêtes encore, je sais pas. J'ai soulevé les pierres et scruté les arbres pour trouver à manger. Pas de truc trop chelou. Mais je suis rentrée bredouille. Gratta, tu es vivante. Tu étais seule ici. Comme toujours. Toute mère. Depuis mon bannissement.
N'ai-je pas été aussi constante que le flot de la rivière? N'ai-je pas tenu mon serment aussi solidement que la pierre? Accorde-moi ta grâce, toute mère, et offre-moi ma pitance. La toute mère est peut-être occupée, Grata, mais je peux t'apporter des lapins. Oh, toute mère, j'entends ta voix portée par le vent. Je voudrais compter tes bienfaits avec mes perles de prière, mais je les ai perdues sur le promontoire de l'Est. Mes vieux os sont trop usés pour y retourner. Donc il te faut des lapins et des perles cette fois. D'accord, je te retrouve chez toi. D'accord, c'est donc une mission de cueillette. Récupérer de la viande. Oh putain, si j'avais pas fait ma petite popo les gars, j'avais aucun putain de souci. Bon bah c'est parti, hein. On va essayer de choper de la viande. Il y en a pas ici, il peut pas y en avoir en montagne. Oh putain, incroyable. Ça je prends en balle. C'est quoi ça, un veilleur? D'accord, il y a des veilleurs, il y a des veilleurs morts par ici, très bien. Je doute que ce soit Grata qui l'a arraché, mais enfin, pourquoi pas. Ok, bon, on va chercher la viande. Donc, tout en bas de la montagne. Je risque de le regretter. Attends, parce que si je ramène la viande et qu'elle me redemande d'aller chercher quelque chose, je vais tout brûler. Ça, c'est mon cheval. Et mon cheval, il est génial. D'ailleurs, je vais monter dessus. Vas-y, frérot, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc, faut bombarder croix pour accélérer. Et faut appuyer son rond pour drifter, tu sais. C'est par ici. Ok, maintenant c'est par ici. C'est très bizarre. Hein. Je m'emmène... Où tu m'emmènes, là? Un terrier? Ok, stop. On va y aller à pied. On va y aller à pied, c'est par ici. De nuit, c'est bien stylé aussi, hein. Je l'ai eu. Lui, je l'ai eu. Ok. Ah non, le lapin. Ah. Reviens par ici. Allez, arrête là. C'est bon, chiant. Grata a dit que ses perles de prière étaient sur le promontoire de l'Est. C'est pas loin d'ici. Rejoindre le haut du point de vue. Très bien. Le sentier des braves qui mène en haut, pas loin. Ouais. Je pensais pas être encerclé aussi vite. Voilà. Allez, ça dégage. On n'a pas le temps pour ces conneries, les gars. C'est cadeau, la petite triplée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah, bobine de gel, on a déjà... On a des trucs, c'est pas ouf, hein, très clairement. On a du bleu par ici. Merde, j'ai tout pris, impeccable. Cœur de veilleur, et on a encore du bleu, et je suppose que c'est encore des cœurs de veilleur. Ok, je prends tout, parce que c'est de la ressource et c'est très intéressant. Donc c'est parti, faut que je monte au point de vue, jusqu'ici à son âge, et juste pour prier. Ça, c'est de la ferveur. Voilà. Hop, faut que j'arrête de me bourrer de touche. Elle a faim, la Grata. Elle a faim, et c'est ça qu'on veut, c'est des gens qui ont faim, putain. Ok, c'est parti. Hop. On peut passer par ici. Petit raccourci. Ouais. Oh, par ici maintenant. Ok, petit ralenti. Nickel. Et maintenant on va par où? Attendez les gars, par ici, non? Ouais. Et maintenant? Ok, je ne peux pas. Y'a qu'un chemin possible. Putain, mais c'est pas vrai, c'est le pire chemin ever, ça. Voilà. Attends, on peut encore monter. On va en profiter. Hop, impeccable. On peut encore monter, on va en profiter. Ok. Et c'est pas terminé. Faut vraiment que j'aille là-bas? Ok. Bah s'il faut y aller, on y va les gars. Yo, les oies ou je sais pas ce que vous êtes. Envole-toi. Envole-toi. Ah putain, on peut pas les tuer en l'air, je crois. Ok, on peut pas allumer ce feu les gars. Ça serait pas mal. Arrêtez là, vous êtes chiants.
Ah. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Perles de prière. Ah, les perles de Gratar. D'accord. Je comprends pourquoi elle vient prier ici. On voit la porte de la mer. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait qu'elle m'ignore, ou qu'elle ne soit jamais seule vu qu'elle parle à la toute mère. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein? En fait, ils servent de lampadaire, les guetteurs. Et ça, c'est cool. Ok, c'est parti! Boum! Impeccable! Comme à la maison! Hop! Ouais, ça, c'est peut-être pas comme à la maison. Ok, on a encore des ressources, on prend. C'est des îles que j'aimerais retrouver, là. Ah putain, on a un point de save, impeccable. Je vais appeler mon galopeur. Ah d'accord, en fait il vient de là où je l'ai lâché. Donc il vient de super loin quand même. Yo frérot. Attends, calme-toi. Oh, doucement petit, doucement. Allez, on bombarde. On y va. Normalement. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Je t'en prie, personne ne veut m'aider. Alors attends, je veux bien t'aider, mais tout de suite dans l'immédiat, c'est chiant. Tu m'as appelé ? Tu as sauvé des vies à l'éclosion. Si tu m'aides, tu pourrais en sauver une autre. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es blessé à la jambe ? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider ? Ouais, écoute, on peut faire ça, ouais. Par contre, là, j'ai une quête, je dois aller voir Gratar. J'aiderai Arena si je le veux. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Allez, crève. Arrête de nous faire chier. On est parti, les gars, sur les pas de la mer. Hein? Non. Remets-moi tout de suite Gratar, là. Ma belle et tendre Gratar. Bon, bah c'est impeccable, on a une nouvelle quête, et bah envoyez, hé, les gars, vidéo spéciale quête secondaire, ça fait plaisir, spéciale balade, c'est incroyable, c'est bien aussi de se reposer tous ensemble, et vu que je vous ai promis une heure, ça tombe très bien, une heure à entendre ma douce voix, une heure pour s'endormir sur ma vidéo, peut-être si vous la regardez le soir dans votre lit, depuis votre téléphone portable ou même votre télé, avec des écouteurs ou sans, une heure à passer ensemble, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée des vacances, mine de rien, parce que bon, on y pense, mais c'était les vacances il n'y a pas très longtemps. Ok, par contre, ah oui, faut que je retourne. Oh putain. Bon, on va faire Gratar, puis on va sauver la gamine, là. Voilà Gratar, avec la toute mère, comme à chaque fois. Tiens, ma soeur. Je t'ai apporté des lapins, Gratar. Et j'ai trouvé tes perles de prière. Sois prudente. L'étreinte n'est plus un lieu sûr. Oh, toute mère, chaque matin, j'aperçois tes larmes de joie sur les feuilles et les fleurs. Car tu pleures face à la beauté immuable de ta nature. Vois comme je pleure avec toi de gratitude. Gratar, pendant longtemps, Rost et moi on t'a aidé. Mais Rost est mort. Et je suis devenue chercheuse. Désormais, il faut que tu sois forte, Gratar. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la toute mère. D'accord? Oh, toute mère. Les jeunes poussent et les oisillons grandissent, deviennent forts et s'éloignent de mon chemin. C'est dans l'ordre des choses. Et les souvenirs sont un trésor. Oh, toute mère. Tâche terminée. Gratar, la fêlée. Bah, c'est sympa ça, les gars. Avec ses perles. C'est sympa. Une chercheuse aux portes. Parlez. Écoute à Varl. Ma voix. Donc ça c'est la quête principale, hein, rappelons-le. On va faire l'autre quête secondaire. C'est bien, on monte. J'aimerais bien être au moins niveau 9 à la fin de cette vidéo. Ça veut dire qu'on aura pris deux niveaux. Les quêtes secondaires, écoutez, sont plutôt bien foutues pour le moment. Hein, c'est pas gênant. Hop, c'est sur les pas. Niveau 4 encore, c'est chiant. Donnez-moi des quêtes un peu plus intéressantes. Je suis beaucoup trop balèze pour des quêtes pareilles. Ok, je vais appeler Grand Galop là. Il est où? Allô? Ah! Tu es là! As-tu réussi à me rejoindre? Tu es où?
Putain, tu galères, hein, frérot, hein. Ah oui, oh là, oh là, oh, oh, on va pas trop t'en demander. Allez, on y va. Et pendant qu'on y est, je vais vous dire, bah, vous voyez, ce jeu, il est comme Fallout, mais en mieux fait. Alors, vous êtes certains, vous êtes nombreux à me demander, Mister B-Boy, pourquoi tu ne finis pas Fallout ou Dying Light? Alors, Dying Light, je vais être très clair avec vous, le DLC, c'est une grosse arnaque. C'est que des quêtes principales à la con, va me chercher de l'herbe, va me chercher une brique de lait et tout. Clairement, Fufu et moi, on en a eu ras le cul. Il n'y avait pas de cinématique, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien d'intéressant. Donc là, au moins, c'est clair, on a stoppé. Mais ça, on vous l'avait déjà dit. Elle a des ennuis. Quoi ? On vous l'avait déjà dit dans l'histoire. L'histoire. Mais casse-toi, putain, merde ! Voilà, on vous l'avait déjà dit dans les épisodes précédents. J'arrive, ma soeur, crie pas. C'est quoi, c'est où, putain ? Tu es les veilleurs, sérieux ? Allez, go. J'arrive, ma sœur. Et pour Fallout 4, le jeu était beaucoup trop buggé et j'étais tombé face à un bug où je ne pouvais rien faire hormis tuer mon collègue. Sauf que dans Fallout, quand tu tues ton collègue, hop, voilà, c'est pour les appeler. Reste tranquille. Oh putain, dommage. Ok, ça c'est fait. Saloperie. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Bon, bah voilà, bonne chose de faite les amis, vous en pensez quoi? Boîte de pilleurs. Je prends volontiers ma foi. Écoute, pas de soucis. Maintenant je veux de l'XP, ça va la comédie. Est-ce que tu peux monter avec moi d'ailleurs sur un galopeur? Ça pourrait être intéressant. Tu m'aideras, petite plante. Merci. Okay. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Allez, je vais chercher ta lance. La retrouvera ta lance. J'ai pas envie de discuter avec cette gamine. Oh, elle a rien à voir. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. Pour les caprices d'un gamin, ça met les parents en péril. C'est terrible quand même. Ok, il faut que j'aille où là? Examinez la zone avec votre focus. Hop, 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 hop. Afficher la piste. D'accord. Ok, ben on est parti, encore une petite traque entre guillemets. Hop, ça enfouille, on prend. J'ai pas mal d'outils là. Est-ce que je vais pouvoir augmenter mes sacoches et tout? Ça serait cool ça, on va voir ça aussi tout à l'heure. C'est pas mal, franchement, rien que cueillir, tuer pour pouvoir avoir de quoi améliorer ses poches, etc., etc. J'aime bien, c'est plaisant, c'est reposant. C'est l'épisode reposant, je vais l'appeler comme ça. Repose-toi avec moi, partie 1. Partie mix. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Ah d'accord. Yo. Yo yo yo. Donc c'est parti, on va suivre les traces de cette machine. Hop 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 hop. Oh! Headshot, motherfucker! Ok, il va peut-être me donner une fourrure, non? Quelque chose. Viande et viande osseuse, pas du tout. Le berceau de la mer. Ok. Putain, les machines s'approchent quand même relativement près des petits villages. C'est dangereux. Ok, on y va, c'est par ici. C'est tout ça pour une lance. Elle a intérêt à me le donner. Hein. Hop, on prend. Pas mal ça. On s'est refait en soin. Ça a permis. Ça peut servir. Électrique. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Je suppose. Ok. Je suppose aussi qu'elle a dû traverser la rivière. On est parti. Ok. Et maintenant, on fait quoi? Yes. Non, non, c'est un dindon. C'est quoi ces conneries? Oh, mais attends. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? Ok. C'est bon, je l'ai retrouvé la piste. C'est par ici.
C'est un charognard. Un charognard, c'est pas évident à tuer, ça. C'est même très très chiant. Ils étaient deux tout à l'heure, j'ai eu un peu de mal. Heureusement qu'ils m'ont pas attaqué à deux. Ils m'attaquaient à deux, j'étais clairement mort, ça. Ah, on va pas mytho, les mecs. Hein. Il me faudrait un meilleur arc aussi, ça serait cool. Ok, toujours par ici. Ah, mais ça va m'emmener où, cette connerie, là? Hop. Calme-toi, petit. Pas le temps pour tes conneries. Ok. Pas le temps pour tes conneries non plus. On peut y aller. Yes, un point de save. Ah, les quêtes secondaires te forcent à passer à des endroits où tu n'es jamais passé. Oh là, le froid. Le grand froid. Ok. On y va. C'est lui, là-haut, là ? Oh yes, on dirait bien que c'est lui. C'est rien, frère. Ok. Voilà ce qu'on va faire. On va se fabriquer max flèche. On va prendre ceci. La voilà. Maintenant, la lance. Récupérer la lance. On va le faire de ce pas. Et vous savez quoi? On va passer par la droite. J'ai vu la petite échelle, là. Ah ouais, on va payer le de lynx, hein, dans le milieu, les gars. Hein. Tout ce qui est échelle, c'est vrai que je passe pas à côté, quoi. J'ai une opportunité de... Mais vous êtes fous! Oh là là, les bruits horribles que ça fait, ça. Ok. Ok, 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 ok. On va en remettre un. On va se sécure à fond parce que là, les gars, après, j'ai plus beaucoup de marge. Hein. S'il me fait tomber, on est mort dans le film, hein, les gars. Ok, c'est pas mal. Wow! Allez, dégage. Wow! Excuse my bra. Wow! Allez! 1, 2, 3, c'est le bordel! Ok, la lance elle est là. Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. Ok, c'est bon. On est parti, les mecs, on se casse. C'était chaud, hein. C'était méga chaud, les gars. Hein. Je sais pas vous, mais je peux plus appeler ma bête. Ah, je suis parti beaucoup trop loin sans. T'as, faut vraiment que... Et le site des galopeurs, il est où le plus proche? Il a l'air assez loin, quand même. Ok, bon, c'était pas évident. Honnêtement, c'était pas évident. Ils ont sauté à trois dessus. Heureusement, il y avait les pièges électriques, au final, qui m'ont été fort utiles. Hop. On se ravitaille au max, on est bon. On peut y aller, on va lui rendre sa lance. Et puis je crois qu'en plus on a vu une nouvelle quête, non? Pas envie de dire n'importe quoi. Site des galopeurs, c'est où les potes? Bon, on ira en prendre à nouveau, hein, on ira en prendre à nouveau, pas de soucis les gars, on va faire ça à pied. 500 mètres, qu'est-ce que c'est? Hein les gars, 1 km de course. C'est rien, on est là pour kiffer de toute façon. Ok. En tout cas, encore une fois, merci, je le dis en plein milieu d'épisode, je sais, c'était un tort, mais merci infiniment de suivre chaque épisode. De liker, de commenter, de kiffer tout simplement parce que bah, vous me faites kiffer aussi et ça c'est cool. On continue donc, 400 mètres. C'est parti. Hop, on va se refaire. Voilà. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, me soigner avant, mais bon, c'est pas grave. On va lui rendre la lance. Et je peux pas la garder d'ailleurs, est-ce qu'elle peut pas me la donner? Genre en mode, on est meilleurs potes depuis le CP maintenant avec tout ce qui s'est passé. Allez, ça dégage. Trois flèches, hein, quand même. Hein. Il me faut un nouvel arc, hein, vraiment. Parce que là, c'est parti. Oh, il m'a filé quelque chose de ouf. Un os de sanglier, c'est rare. Très bien, ça. Très, très bon. Je prends. Je prends volontiers. Et en plus, c'est tellement moins, entre guillemets, je dis. Attention, parce que j'ai bien kiffé Far Cry Primal, quand même. Mais c'est moins ennuyant, la cueillette, la récolte. Far Cry Primal, ça devenait un peu chiant.
à par moment. Et en plus, là, regardez, on a fait 5 épisodes. Garde ça pour la route. On a fait quand même 4 heures de jeu. On est toujours qu'au début de la map. On n'a même pas découvert la suite. D'ailleurs, on y va. Hein. Juste après cette quête, les gars, promis, on bombarde. On va aller découvrir l'autre côté de la map. Voir un petit peu comment ça se passe. Enfin, toujours plus loin, les mecs, hein, vraiment. Toujours plus loin. Ça va d'aider les gens. Hein. Au bout d'un moment, qui m'aide? Qui m'aide dans ma quête à moi? Pas personne. C'est ça le problème. Ok, c'est par ici. Ah très bien. En fait, j'aurais pu pas sortir. Putain les gars, vous êtes lourds. Loué ah. Soit la toute mère. Aloy est revenu. Ah, il est encore à terre celui-là, Alex. Putain. Allez tiens. D'abord, tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Autour de moi, nombre de Nora pleurent la perte de leurs enfants. J'étais sûr de rejoindre leur rang. Merci de m'avoir épargné ce chagrin. Et merci d'avoir retrouvé la lance de ma mère. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi... J'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. Elle t'aurait apprécié. J'en suis sûre. Ok, quête annexe terminée sur les pas de sa mère. C'est plutôt cool, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ben, on continue. Direction quoi maintenant, notre objectif? J'ai bien envie d'aller à notre objectif. On va aller sauvegarder quand même. On n'a pas fait tout ça pour rien, bien évidemment. Hop, il y a pas mal de fleurs ici. Il y a des racines d'un peu de tout, c'est incroyable. Ah, on va aussi s'équiper, faut passer du temps dans les menus, hein, certains me l'ont dit par commentaire. Et c'est vrai que ça saoule. Très amer. Ça saoule d'autres personnes de passer autant de temps dans les menus, mais vous savez quoi? On va kiffer. Un peu comme Fallout en son temps, on va prendre notre temps. Sauf que bon, Fallout est beaucoup trop bugué. On va pas revenir là-dessus, on en a parlé. D'accord, très bien. Comment on va faire? Inventaire. D'accord. Non, c'est pas ça que je voulais. Si, c'était l'inventaire que je voulais. J'ai pas mal de petits trucs sympas. Plus 11% anti-attaque de mêlée et tout. J'ai pas mal de petits trucs sympas. J'ai hâte de nous voir, d'avoir une nouvelle fringue. En attendant, on va faire l'artisanat. Ouais. Alors, attendez. Bleu, c'est rare. Et vert, c'est assez rare. Ça veut dire que bleu, c'est mieux que vert. On est bien d'accord. Hein. Ok. Là, on peut s'améliorer. Là, c'est cool. Sac de piège. Augmente la taille du nombre d'armes que je peux posséder. Bon, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Allez, on prend quand même. Augmente ça, on prend. Capacité plus 5 pour l'inventaire. Hop. Tous les... Voilà, on se met tous au niveau 2 partout. Ok, il me reste ces deux-là. Il me reste potion et piège. On se met au niveau 2, on sera très très bien. Munitions. Ok. Bon, bah jusqu'ici, j'ai bien compris. Et déplacement, qu'est-ce qu'on a? Pack de déplacement rapide, c'est vrai que... Ah, c'est des points de TP, d'accord, je savais pas, ok, intéressant. On va sauvegarder, et on est parti, on continue un petit peu, direction notre quête principale. Donc, on a passé quand même 50 bonnes minutes à ne rien faire, à faire des quêtes secondaires. Porte de l'étreinte, c'est par là. Vous savez quoi? En plus, on passe par un site de galopeurs, donc c'est impeccable. On va récupérer un frérot sur le chemin. Et on va pouvoir y aller bientôt niveau 9. Ça, c'est cool. Ça, je peux pas. Putain. Sac de soins plein. Ok. Nos galopeurs sont par ici. Ça va être assez facile, je pense, à pirater ceux-là. Parce qu'ils sont assez espacés. Allez, hop, dans le trou de balle. On n'en parle plus. Ça y est. Boum! Allez, direction la porte! L'étreinte qu'ils appellent. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a moyen que je me fasse arracher d'ailleurs. J'ai pas le niveau, mais bon. Écoutez, moi je suis un homme à risque. Et j'adore ça. Elle est là, la porte. Elle est incroyable, elle est belle. Première fois de notre vie, hein, littéralement, que nous allons aller à l'extérieur. Dans ce monde sauvage. En bas, juste derrière la porte. Ils sont défoncés. Attends, il y a eu un bruit. Attention! Faites-le approcher! Plus près!
Varl, je suppose? Aloy, la paria qui a remporté l'éclosion. Alors comme ça, tu as survécu. La haute matriarche Tirsa dit que tu connais la route de Méridian. La capitale de l'Hélium Karja? Mais dis-moi, tu cherches à t'exiler? Non. Un traître du nom d'Olin. Les matriarches m'ont nommé chercheuse pour que je le retrouve. Alors, tu dois aller jusqu'à la couronne de la mer au nord. Si tu y parviens, parle à Maréa, elle te renseignera. Compris, merci. Oui, la route est dangereuse. Depuis le massacre des guerriers, nos terres et nos frontières ne sont plus surveillées. Nous n'avons plus de chef de guerre. Ce n'est pas censé être Resh? Seulement parce que Sona a disparu. Je partirai bien à sa recherche, mais elle m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors c'est ce que je fais. D'accord. Tu as dit que ce serait dangereux. Tu peux m'en dire plus? Ce serait trop long à t'expliquer. Les assassins sont toujours là, et ils semblent même avoir corrompu les machines. Ils répandent leur folie. C'est vrai. J'ai vu ça de mes yeux. Et les bandits? Des truands qui franchissent la frontière pour nous attaquer. D'après ce qu'on dit, ils ont un camp aux ruines en amont de la rivière. Il va falloir que je me fabrique des flèches. D'accord. Le massacre du groupe guerrier et le chef... Tu as dit que Sona avait disparu? Même après le massacre de nos guerriers, elle n'a pas voulu abandonner la traque. Elle a fait appel à des volontaires pour pourchasser les assassins. Tu ne l'as pas suivi? Si, je le voulais. Mais Sona me l'a interdit. Elle m'a donné l'ordre de ramener les blessés vers l'étreinte. De garder cette porte. De protéger l'étreinte. Coûte que coûte. C'était il y a des jours, et depuis on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si elle est toujours en vie. S'il y a bien quelqu'un qui peut survivre, c'est bien elle. Sona a un talent unique. Elle est comme une lance incassable face à laquelle nous nous mesurons tous. Elle semble mettre la barre très haut. Oh, tu n'imagines même pas. C'est ma mère. D'accord. Intéressant. Donc la chef de guerre qui s'appelle Sona est partie et n'est pas revenue depuis quelques jours. Je pense qu'on va la recroiser durant notre périple. Ok. Je ferais mieux d'y aller. Aloy, avant de partir vers la couronne de la mer et au-delà, est-ce que tu pourrais essayer de retrouver Sona? La tribu a besoin d'elle. Je serais bien parti à sa recherche, mais elle m'a ordonné de rester ici coûte que coûte. Où a-t-elle disparu? Là où nos guerriers ont été massacrés. Cette cuvette boisée, sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. Elle a poursuivi les assassins qui ont attaqué l'éclosion. Qui ont tué nos proches. Qui ont essayé de te tuer. Je comprends pas. Ouais, fais-en pas trop. Je verrai ce que je peux faire. Fais-en pas trop, ça devient gênant. Ok, nouvelle quête principale. La piste de la chef de guerre. Eh, par contre, si personne ne me fouille... Moi, non, je ne fais rien. Il est avec moi. Comment est-ce possible? C'est un peu compliqué. C'est une nouveauté. De la déesse, je vois. Il a stressé pour mon galopeur, sérieusement? Viens, frérot. Oula, il passe pas. Il est passé, c'est bon. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. Direction sauver... Oh putain, attendez, on va voir où elle est. Oh, c'est incroyable. Ah, on va voyager. On va voyager, les gars. Prochain épisode, ça va être cool. Ça va être vraiment cool. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Chouchou tout le monde.